camp de Kapororaï. Parce que on ne cesse de revenir sur le cas de Kapororaï. On estime que c'était injuste. De la part de l'État. De la part de Deguerkir. Et que c'est lui qui a contribué. Parce qu'il faut saluer, c'est lui de décrédibiliser. Même s'il n'a joué au problème dedans. Mais comme il était membre du gouvernement. Sur un site de la place même, il y a eu une voix sonore de Selou qui était intervenue pour dire que les gens ont illégalement occupé cet endroit. Donc il n'y a pas de raison qu'ils soient dédommagés et de facto, non, ils doivent non, quitter. Non, non, cette voix n'existe n'est pas. N'est pas non, la vôtre non, non, pas du tout. D'accord. Et je dis. Pour indiquer que les populations devraient être déguerpies pour qu'on puisse ouvrir les routes. Vous avez vu la ville de Conakry où il y a d'énormes contraintes en raison notamment de l'urbanisation anarchique qu'a connue la ville. Il faut qu'on essaie de corriger ça maintenant parce que plus ça dure, plus ça coûtera cher. Dans cette confrontation entre les occupants illégaux des domaines et les forces de l'ordre, s'il y a eu des victimes, il ne faut pas mettre ça au compte des droits de l'homme. Les gens étaient prévenus, ils devaient quitter les lieux, ils ont occupé les domaines sans papier. Non, non, cette voix n'existe pas. N'est pas la vôtre? Non, non, pas du tout. D'accord. Et je dis, maintenant, prenons.